Comment allez-vous? C'est moi Sandrine, bienvenue sur Astroéthique. On va parler des énergies qui nous accompagnent en ce moment et de ce carré entre Vénus, la déesse de l'amour, et Mars, le dieu de la guerre. Et donc il est question de passion, d'intensité, de romance. Mais c'est un carré, donc c'est tendu, c'est électrique. Il se passe des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et il faut s'accrocher. Voilà, ça tangue, le bateau il tangue. Et en amour, l'homme est à sa place, la femme est à sa place, et il faut que ça reste comme ça si vous voulez que ça marche. Donc, face à toutes ces agitations, face à toutes ces perturbations sur le plan amoureux, sur le plan des émotions, face à tous ces remous émotionnels, mesdames, les filles, un conseil, soyez bien dans vos atouts de femme, dans la douceur. Vénus en scorpion, elle veut avoir le contrôle, elle veut tout maîtriser, elle est dans le pouvoir. Mais elle peut aussi être dans la douceur de l'eau, qui est son élément, faire appel à ses atouts, à sa séduction, à sa féminité, à sa sexualité, à son corps. Voilà, je vous conseille plutôt de vivre votre Vénus dans cette dimension sexuelle et d'utiliser vraiment votre pouvoir de séduction avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de sensualité, pour pouvoir avoir des rapports agréables avec l'homme qui est en face de vous, qu'il soit à vos côtés, que vous cherchiez à le séduire, que vous le rencontriez ce week-end, parce qu'il pourrait y avoir une belle rencontre pour les célibataires ce week-end avec ce carré entre Vénus et Mars, parce que Mars, c'est l'homme qui est bien en place, il est en lion, il est fier, il est orgueilleux, il a besoin d'être flatté, que son ego soit flatté. Donc soyez bien dans vos atouts respectifs, et vous messieurs, soyez sûrs de vous, voilà. Et faites l'amour, pas la guerre, hein, parce que le carré Vénus-Mars, c'est souvent la guerre des sexes, on se fait des reproches, tout ça c'est terminé. Je sais qu'il peut y avoir beaucoup de rancœur accumulée, notamment dans les vieux couples, installée, une routine, où on ne considère plus son compagnon comme son compagnon, mais comme une personne acquise et finalement comme un membre de sa famille. Et donc à ce moment-là, c'est bien difficile d'avoir même de la tendresse et encore moins de la passion amoureuse pour cette personne. Mais c'est ça qu'il faut réactiver. Voilà, retrouver ce petit plus, regarder l'autre à nouveau comme un amant, comme une maîtresse, comme un homme, comme une femme, comme un partenaire amoureux, comme un partenaire sexuel, et non pas comme, comme l'ami, le copain, le frère, la sœur qui vit à vos côtés. Parce que c'est pas génial. C'est clair que on peut pas avoir de libido pour quelqu'un qui nous appartient. Voilà, donc il faut tout réactiver et vraiment essayer de vivre ce week-end dans des énergies comme ça, dans des énergies d'amour, de séduction. Voilà, faites l'amour, ne faites pas la guerre. Ce week-end, c'est très important. Il va y avoir la Lune qui va passer en Cancer, rejoindre Jupiter, et le Soleil qui va s'opposer à Uranus cette semaine aussi. Donc on va continuer à aller vers des énergies de mouvement où ça bouge, où ça brasse, où ça va de l'avant. Rassurez-vous. Voilà, le bateau tangue. Un coup c'est oui, un coup c'est non. On appuie sur le frein parce qu'on veut ralentir, parce que ça va trop vite, ça va trop vite. Et puis on se dit non, il faut aller à nouveau plus vite, plus vite, plus vite. On reste calme, on reste zen. En ce moment, que vous ayez l'impression que ça bouge pas, ou que ça bouge trop vite, ou que ça se casse la figure ou quoi, dites-vous bien que vous avancez dans une seule et même direction et que, mais il n'y a plus rien qui peut arrêter la marche en avant. Tout ce que vous avez mis en place depuis le printemps dernier, c'est en train de se mettre en place, de se concrétiser, ça se manifeste. Donc vous lâchez surtout pas le gouvernail, vous tenez fermement le volant avec votre cœur, avec tout ce qui vous fait vibrer et vous continuez de croire en vos rêves. Ils sont sur le point de se réaliser. Je vous envoie tout plein de belles énergies d'amour. J'espère que vous allez bien. Et je vous dis à très vite pour un nouveau bulletin. Je vous invite à aller sur mon site, ceux qui ne l'ont pas encore fait. Il est tout nouveau, tout beau, tout magnifique. Voilà, vous pouvez consulter mes copines, Françoise, la numérologue, Isabelle, la médium, et Denise, pour l'astrologie, l'astrologie karmique, d'évolution. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Allez sur Astroéthique et puis dites-moi ce que vous en pensez. À très vite. Love, love, love. Bon week-end. Et bon début de semaine.
Thank you.